Anjir. Ninja ya. Yeah.
installer le roi. Merci, mesdames, messieurs, la commune en face, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, merci. On va se rasseoir, sinon les membres de la belle famille, installez-vous confortablement à vos places et nous allons laisser la parole à qui croit. Ça commence bien. Ouais. Ça, c'est l'homme qui sort, je ne sais pas comment la femme va sortir. Ah. Voilà mon fils. Regardez, hein. On t'appelle Jean-Louis Simon. L'élégance a un corps. Ah oui, hein. Apprécions le roi à sa juste valeur. Que la famille applaudisse bien fort, s'il vous plaît. Yes. Yeah.
Apprécions l'arrêt.
sécurité, s'il vous plaît. Les enfants en libéré passage. Le père de la fonction, et puis toi tu vas enlever le cache-visage moyennant sec. Je suis le père de Maggie. Je ne veux pas vous lever pour une seule minute de silence pour tous les êtres qu'on a perdus. Après, je vais faire la part à ma fille pour le processus va se poursuivre. Merci. Merci à vous. Maman, je vais te faire la foi. On va aller là. Ouais. On va se faire sous la mairie des applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Je suis ton père. En face de nous, c'est Maggie, ta femme. Est-ce que c'est Maggie réellement ou c'est une autre personne? C'est finalement Maggie parce que le parfum qu'elle a l'habitude de mettre à la maison, je me ressens depuis là-bas. On a tous les enfants! Yes! Le roi reconnaît le parfum de sa médecine. Il s'appelle Simon. Un homme de parole, on applaudit de fort. Je suis arrivé ici avec les enfants pour
représentation de Maggie. Vous avez laissé la porte ouverte. À partir d'aujourd'hui, je vais fermer cette porte-là. Je vais fermer cette porte. J'avais déjà donné le présent. C'est dans le lot. Et là, je vous demande de payer le cadenas. Fermez cette porte. Voilà, voilà ce que Simon et sa famille ont pensé. Je prends la manière. Je veux savoir si tu es d'accord. Si tu es d'accord, tu peux remettre cet argent. Si tu es pas d'accord, tu veux le faire. Et le pâte avec toute cette machine. Et toi, tu restes avec lui, avec passager. Entre passager et là, tu vis. C'est tout. C'est tout. De prendre l'argent là parce que quelqu'un c'est l'homme que Dieu m'a donné dans cette période comme tu m'as toujours aimé. S'il vous plaît. Le volume n'est pas bon là. Maman, merci infiniment pour l'honneur de la famille. Et je te remets dans les bras de Simon. Simon, c'est mon fils. Donc, je prends ça avec beaucoup de quintessence. Merci. Le musicien qui s'appelle Seigneur.
Vraiment d'émotion. Merci beaucoup. On appelle ça un club. C'est le socle du mariage. Quand on dépose sa chaussure, la femme porte ses pieds. Et pour la durée, la femme ne bouge pas. Si vous avez des maris qui ne vous ont pas donné ça là, demandez-les d'amener. Marguerite, maman, merci. Merci. J'ai déjà fermé la porte. Daoungou ici. Tu ne regardes maintenant que la roue de Benyomi. Je te pose ça. Tu es la femme de mon fils. On va plus le faire. Super. La bénédiction. On a tout bien fait, s'il vous plaît. Pour un message hautement spirituel. Oh,
Merci pour la patience. Voilà, c'est ça le mariage aussi, hein. Comme tu retiens la rigolo. Le roi, et la reine arrive. Vous s'attachez à sa femme. Yeah.
par la joie du ciel de Paul à nouveau. Merci la grande Nicole. Wow. Voilà, je voici Maggie Pamela. La voilà. Je vais te la donner maintenant. Elle a une chez toi là. C'est bien, oh. Ça a rien. Elle est tout pour pas de gaz, pas de cicatrices, pas de résistance. J'espère que tu prononces le nom avec sa tête de en tant que père. Moi, je suis le grand-père, tu es le papa, nous sommes des amis. Je te la donne. Normal, je ne sais pas, c'est pas la mission. Tu sais, tranquille. Tranquille. Ben voilà, son papa te l'amène afin de la faire asseoir sur les jambes d'une dame. Maman, ou je, même si elle est correcte, elle peut s'asseoir dessus. Mais l'idéal, c'est de s'asseoir sur les jambes d'une maman sage qui a fait ses preuves. Merci. Voilà, monsieur, vous pouvez rassurer tranquillement. Merci. Restez à vous. Dans le pavillon royal. Est-ce qu'on a suivi ça? Ce sont les félicitations. Marié au grand place, au pavillon de la vie.
Quelqu'un soit nous.